Je vais libérer le passage. Essaye de rester discret. Ça marche. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Spider-Man. Je parle évidemment de l'épisode 18 et c'est carte hors ligne tout simplement parce que la carte, on s'en fout. Il est temps de très vite changer ce costume immonde, si je puis me permettre cette expression, et celui-ci claque de ouf. Il claque de ouf. Ok, je pense qu'on va essayer celui-ci. Dégalour, une nano-armure auxiliaire inflige temporairement des dégâts massifs. En gros, ça me rend super puissant. Et ça, ça me paraît pas mal. Donc, on va même garder le super pouvoir par la même occasion. Et je brille dans la nuit. Ok, je suis un Spider-Tron apparemment. Enfin, Spider-Tron. Enfin, bon, bref, faites un petit effort. Je suis à deux doigts de bouillir. On va partir là-haut. Hop. Ok, je suis cramé, hein. Niveau discrétion, c'est terminé pour le joueur au roi. Ok. Bon bah c'est pas grave. C'est terminé, hein. C'est l'infiltration était de très... Ok, je viens de... Tout va bien, tout va bien. Ok. Wouh. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est assez terrible. On va pas faire gaffe au mec au fouet. Ok, on le boss. Bien joué. Ok. En vrai, je suis boss de ouf. Ouais. Ce sera ok. Bien. Mais d'abord, il fait lui une raclée. Ok. Hop, lui. On s'en occupe. Là, je me sens pas. Attendez, 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 attendez. Ok. On va essayer de s'occuper d'eux. C'est terrible. Voilà. Eux, on va les anesthésier. Putain, ils sont très très chauds. Excusez-moi du peu, je suis en train de perdre à moitié connaissance. Ok, c'est bon. Hop, c'est pour toi la poubelle, frérot. Je suis désolé, fallait prendre quelqu'un. Fallait que ça tombe pour toi. Bon, niveau discrétion, c'était pas ouf, hein, on est d'accord, hein. Hop, ça c'est beau, c'est cadeau. Hop, bien joué. Bien joué, t'as clairement été le boss. Il faut le monter en l'air parce que c'est très très chiant. Oh, c'est très très beau ce petit combo. Ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que vous aussi. Ah, c'est moins beau. Ok, lui on l'éclate en l'air. Bam! Oh là là, toi t'es carrément retour au deuxième étage. Ok. Oui, c'est terrible ce que je prends, hein. Vraiment, hein. On me déteste. Ok. Les fouets, ils sont assez dingues. Attendez, c'est incroyable parce que là en fait je vais mourir. Ok. Tellement, tellement dur à recharger pour avoir les dégâts lourds. Oh, j'ai mis ça par. Oh, c'est passé à travers le mur. Non, ok, c'est l'heure du point du dur. C'est bien dommage. Saviez-vous que Grand Central possédait le plus grand sous-sol de tout New York? Ok, ça c'est pas mal. C'est fou, hein. On pourrait caler la moitié du pont de Brooklyn là-dedans. Okay. Ah bah oui, à qui le dites-vous? On n'en fait plus des comme ça. C'est que les New Yorkais avaient la niaque à cette époque. Non mais on y pense, mais même au 18ème épisode on découvre des choses incroyables. Enfin bref, on pourrait raconter des anecdotes jusqu'à demain. Mais je dois empêcher votre taré de patron de détruire la ville. On finit vite fait. Ok. Hop, lui on va l'éclater. C'était le seul. Aucun souci. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Il est où? Frérot? Ça va ou quoi? Bah alors. Je l'ai chopé par le bout du canon. Oh bah ça dégage, hein. Il est pas mort, hop, il est totalement mort. C'est terminé pour toi. Ok, montez à bord du train cette fois-ci. Il y a prévu un train pour s'enfuir. Ça va être incroyable. Je dois pas le laisser filer. Ça va être incroyable. Ok. Il va m'échapper. Wouh! Allez, on y va. On va pas se battre dans un train tout de même. Te voilà enfin. Après, il est tellement stylé, je trouve, quand même. Mauvaise habitude. Hop, c'est cadeau. Hop, ça, je te mets ta part, mon frérot. Hein. Là, Mister Négatif, je t'arrache. Ok. Allez, hein, on va passer à l'autre âme. Ça va, frère? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pour régler une vieille tête. Attends. Ils étaient déjà super négatifs, je trouve, les mecs. What? Il évolue! Qu'est-ce qui t'arrive, frère?
ça c'est nouveau, hein. Je vais attendre une meilleure occasion. Ok. Très bien. Très très bien, on adore. Mais c'est pas... Je suis débile. Ok. Je dois faire vite avant qu'il les récupère. Ok. Je suis totalement débile apparemment, parce que j'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait cette connerie. Ok. Très très bien, c'est des belles patates, hein. Ah ! Ça s'épuise, on dirait. Ok. Bien. Compliqué cette petite histoire, compliqué. Le temps de m'y habituer, c'est encore la première fois qu'on a ce genre de phase. Là, je vais repartir derrière. Bon, c'est quoi cette fois-ci? Ok. Ok. On va aller à droite cette fois-ci pour innover. Voilà, c'est bon pour les miniatures. Ok. Bon, c'est bon, j'ai compris. On va passer cette fois-ci derrière. Je peux vous aider, Martin. Aïe! 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 Ça, c'est pour lundi matin. C'est ce que la vie me met. Ok. Ouais, très bien, frère. Tu fais des... Ok. J'ai compris, j'ai compris. Quand c'est ça, c'est sur le côté là, c'est en haut. Là. Très bien. Ok. Bon, j'ai parfaitement compris. Aucun souci à ce niveau-là. Allez, on est reparti. Bon, quand c'est ça, c'est en haut. Et quand c'est ça, c'est sur le côté. Quand c'est ça, c'est encore sur le côté. En haut. En haut. Et ben voilà. On s'en sort plutôt bien. Maintenant qu'on a compris le move. Vous faire de mal. Rien ne peut me faire mal. Plus maintenant. Hop. Une petite stékos. Hop. Un petit low kick. Pas de frein. Pas de problème. Très bien. Ok. On va arrêter tout de suite ce train. Ça, c'est des toiles de qualité supérieure. La dernière fois, ça avait marché. Yuri, il y a toujours des travaux à l'angle de la 42e. Ouais, la rue est fermée pour un mois encore. Pourquoi? Ok. Ça, c'était un clin d'œil au film, hein. J'espère que vous l'avez cramé. Ah oui. Oui. On est bien. Prochain arrêt, la prison. Ok, c'était pas difficile, mais comme d'habitude, il faut comprendre les patterns. Donc ce qu'on appelle les patterns, c'est les combinaisons de l'ennemi. Une fois qu'on les connaît, ça c'est ce qui est facilement, mais tant qu'on ne les connaît pas, on prend des coups les amis, on prend des coups. Et j'ai beau être matinal, j'ai mal. Ramenez ça tout de suite au labo. En avant! Boîte vocale de Mary Jane Watson. Laissez-moi un message détaillé et je vous rappellerai dès que possible. Salut, c'est moi. Dis-moi quand tu voudras parler. Les textos, ça compte pas? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Oh. Oh. Réponds non. Ah, ok, ça va.
Mais bah non, ça va pas. Mais à quoi elle veut réfléchir? Tu crois? Génial. Allez! On est parti! Oh, j'ai cru que j'allais bien mourir avec cette connerie. On est parti! Bah, on va se balader. Vous avez réussi. On va faire une ou deux missions. Pour le raft, sable a le souffle du diable en main. Comment vous vous sentez? Comment je me sens? Vous faites la version longue? Pas le temps. Plus vous jouez les héros, plus j'ai de la paperasse à remplir. Mais je voulais vous dire, beau travail. Merci, Yuri. J'avais besoin de l'entendre. Pendant que j'étais avec Lee, je me suis pas occupé de la ville. Il est temps de retrouver l'araignée sympa du quartier. Ok, bah écoutez, il se passe pas grand chose. Oh là là, une petite mission annexe, ça c'est cool. Je sais plus trop ce que ça donne, les missions annexes, mais vous savez quoi? On va en faire une pour le plaisir, parce que j'adore prendre du plaisir. C'est très important, il faut toujours prendre du plaisir. Et en plus, on m'a dit que les quêtes secondaires, comme celles qu'on avait fait, étaient très intéressantes. Et apparemment, on pourrait même y croiser certains personnages qui ne sont pas pour autant dans l'histoire, mais très importants et tiens, bien connus. On dirait qu'ils essaient d'entrer avant l'heure. C'est pourtant pas les soldes. Faire ça, c'est cadeau, voilà. Hop. Allez, ça dégage. Ça, ça dégage. Et ça, ça dégage. Hop, j'ai pris une petite patate derrière, c'était mérité. Voilà. Une autre petite patate derrière, c'est la famille. Ok, je prends ma part. Ça, c'est cadeau. Ça, c'est une exécution. Aïe, ça doit faire mal. Hop, ça, aïe. On le monte en l'air. Bon, les gars, cassez-vous. J'ai dit cassez-vous. Il faut les monter en l'air. Oubliez pas, chacun sa petite. Oh putain la vache. Chacun sa petite. Mais non, mais c'est bon les gars aussi. Hey, je suis un beau pute. Quoique apparemment. Ok, je reprends un coup. C'est terminé pour le joueur hongrois, franco-italiano, portugais. Et. Si je vous avais laissé entrer, votre peine serait beaucoup plus longue. Ok. Bon, j'ai eu qu'un jeton par contre, j'ai pas visionné ce qu'il y avait à faire, mais c'était assez terrible. On est reparti. Direction attention, cette petite quête secondaire. Je pense qu'elle peut être très intéressante. Allez, sur la brèche. Tant que je suis là, je devrais examiner les metteurs trouvés par MJ. Ah, c'est plutôt intéressant. Les quêtes secondaires amènent carrément des fois au labo d'auto ou autre. Ça, c'est plutôt cool. Ok, bon, on y va. Je sais pas ce qui va se passer. Aucune fichue idée. J'ai vu un nom qui m'a pas plu, par contre. Dans le titre de la quête. Très bien. On va analyser tout ça. Si j'arrive à le démonter et à l'inverser, il devrait mener aux cargaisons de Tombstone. Ah, d'accord, juste aux cargaisons. Très bien. Ok, c'est chiant. On va passer par là. Ok, c'est assez terrible là, ce qui va se passer. On va faire ça, on va faire ça. Attendez, bougez pas. On va faire ceci. On va mettre du plus 3 pour le moment, on s'en fout, peu importe. De toute façon, ça nous changera rien en soi. Ok. Quoique je peux... Je comprends pas en fait ce que je fais là, je suis débile ou quoi? On va passer par là, c'est pas grave, on va essayer un truc. Très bien. Je crois que c'est pas possible ce que je suis en train de faire, non? Ou alors je suis super intelligent, mais je pense être super intelligent finalement quand on y pense. Quelqu'un y pense ici peut-être? Il me faut 5 et la tension actuelle... Ah! Oh non les putes! Pardon, excusez-moi. Je sais. Je sais. Ok.
Voilà. Ok, clairement le boss. Clairement le boss. Et ça, on fait tourner. Pas de soucis. Allez. Easy, on y arrive sans problème. Enfin, après, c'est pas très difficile non plus, hein, faut pas abuser. Ça devrait marcher. On va tester ça. Oh, j'ai le même tournevis à la maison. Exactement le même. Oh, je suis le boss. Je vais peut-être devenir un Spider-Man. Quitter le labo. Très bien. Mais c'est exact, la même couleur, la même forme. Tu vois, je veux dire... Putain, c'est incroyable. Je dirais même plus. C'est incroyable. Tu vois, ça a donné une valeur supplémentaire à ma petite histoire de tournevis. Parce que là, je t'ai raconté cette histoire de tournevis. Tu t'es dit, ouais, B-Boy, t'en fais peut-être un peu trop. C'est qu'un tournevis. Mais quand je t'ai dit, c'est incroyable. Là, t'as dit, waouh. Quelle histoire de tournevis. Ok, on est parti parce que là je fais le triseau. On y va les gars. Hop, hop, j'ai failli mourir déjà 4 fois. Ce type est un vrai cauchemar. Hop, on prend des raccourcis, on apprécie. C'est le pire endroit du monde apparemment. Voilà. J'espère qu'il y jettera une pierre que son garage clandestin. Bah, enfin, déjà un garage clandestin c'est pas ouf hein, normalement. Hein. Enfin, c'est censé être chiant quand même. Et le gars il est en liberté alors qu'il a un garage clandestin. Tout va bien. Ça c'est vraiment le pire endroit. Hein. J'ai l'impression qu'on est à. Hell's Kitchen là, non? On est dans quel quartier? Ouais, je connais bien, les gars. C'est vrai que New York, ça me parle, quoi. On est dans quel quartier là? Je crois que c'est Hell's Kitchen. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Là, ils devraient mettre sur le radar où on est, non? Oh, je trouve ça parfois injuste. Ok. On y va. Hop. On va faire comme ça. Direction 3. Putain, 300 mètres avec son GPS, ça me paraît tellement loin. C'est pas possible, il est en route ou il y a un bail? Je comprends pas là les gars. Il est dans une voiture non? J'ai du mal à... Ok on y est. Ok. Yes là, le camion. Alors on se fait une petite virée. Oh! Déjà! Ok ils sont trois dedans hein. Donc si j'affronte 4 ennemis, c'est que je me suis fait carotte quelque part. Yo les frérots. Salut à tous. C'est David Lafarge. Non, je rigole, c'est Spider-Man. On arrête les conneries. Hein. Ok. Hop, c'est terminé. Ah. Oh. Oh. Ah. Ok. Oh la vache, la moto. Hop. Ça, c'est cadeau. Hop. Ça, c'est cadeau. Une moto qui explose, frérot, tu t'enlèves pas. Hein. Peu importe le film, c'est moi le super-héros, c'est pas toi. Attention, il utilise cette toile. Ouais, bah c'est. Ouais. Oh mon dieu, il utilise cette toile. Hop, t'as pris ta part, c'est cadeau. Ça, c'est pas remboursé par la sécu. Hop, t'as pris ta part, c'est cadeau. On est bon? Il est temps d'aller voir l'intérieur du camion. Gang de biker, c'est fait. Mais qu'est-ce que vous faites, mon dieu? Mais dis donc, les gars, faut pas faire des choses comme ça. Pas sur la voie publique, voyons. Les containers chimiques, mais nettoyés à fond. On dirait qu'ils viennent de l'usine Alchemax à Harlem. Qu'est-ce qu'ils pouvaient contenir? Ok, c'est parti. Et ce son marque la fin de notre épreuve chrono. Je devrais jeter un coup d'œil chez Alchemax pour découvrir ce que contenaient ces barils. Tombstone mijote quelque chose. Sans doute illégal. Et clairement dangereux. Oh, c'est terminé déjà. Oh non, j'aimais bien. Oh, c'était très rapide, ce fut très rapide. Ok. Tout a l'air plus ou moins sous contrôle. Il serait peut-être temps d'envoyer Peter Parker au labo. Ok. Avant d'aller au labo, je sens que ça va clairement partir en couille à une vitesse non maîtrisée, évidemment. On va faire le labo de recherche. Ça me paraît pas mal. Labo de recherche ou juste photographier un monument? J'hésite. Peut-être photographier le monument, hein. Et récupérer le sac. Allez hop, vas-y, on fait ça les gars. Ok. Belle image. Ok, juste belle image. Et si je fais ceci, ça ne change rien. Ça ne change strictement rien. Très bien. Ça marche que pour les souvenirs. Hop. Ok. Oh. Hop, rien à foutre de ce qu'il raconte. Hein. Les plus couche-tard d'entre vous ont peut-être vu les lumières vaciller dans la prison de très haute sécurité du RAF la nuit dernière.
Malheureusement, ce n'était pas lié au passage d'un détenu sur la chaise, non. Il semblerait que quelqu'un de là-bas ait eu l'idée judicieuse de faire payer son séjour à Electro, criminel multirécidiviste, afin d'économiser l'argent du contribuable. Cependant, comme on pouvait s'en douter, Electro déteste le travail honnête autant qu'il aime voler et tuer. Et la prison a dû se rebrancher au réseau urbain. Je suis sûr que c'est pour ça que je peux pas faire fonctionner mon micro-ondes et mon grille-pain en même temps, sous peine de faire sauter les plombs. Complètement timbré, hein. Complètement timbré le GGG. On est parti pour la suite de notre aventure, direction le labo. On en vient, c'est très frustrant, pardon, je ne sais pas parler, excusez-moi du peu. Oh, bah ça on l'avait déjà pris en photo, le Fisk Tower. Assez incroyable, n'est-ce pas? On y va, c'est à 1600 mètres. Et regardez-moi comme le jeu est toujours aussi impressionnant. Alors évidemment, j'espère que vous profitez de la qualité en 2K. Et nous sommes à plus de 20 minutes de vidéo. Donc il est peut-être temps de vous annoncer quelque chose que énormément de gens me demandent en live et attendent, vu qu'il reste que 1000 mètres. Oui, je vais normalement faire un let's play de Red Dead Redemption 2. Il y aura en plus de cela un ou deux cadeaux qui seront distribués dans le premier épisode. Je compte sur vous pour être présent. Ce sera diffusé en 2K. Donc ça risque d'être incroyable. Vous n'en louperez pas une seule miette. Et j'espère vraiment vous régaler au fur et à mesure du temps sur ce jeu. L'aventure risque d'être très longue, mais ça serait la première fois sur un GTA like. Et je me dis pourquoi pas, parce que j'ai envie de le faire sur Red Dead 2 et ça me ferait chier de le faire tout seul. Donc, clairement, pourquoi pas. On y va. Direction le labo d'auto. Y'a quelqu'un ? Parker ! Tu arrives juste à temps pour trinquer. Trinquer ? Attendez. Où sont mes bras ? Oh, waouh ! Trop cool ! Mais comment vous... Réseau neural intracrânien. La neurotransmission se fait en moins d'une nanoseconde. Plus rapide que les signaux dans le cerveau. Et ne parlons pas des prothèses externes. On a réussi, Peter. Personne ne pourra nous enlever ça. Incroyable. Oh. Tout ça grâce à toi et à ton travail sur le réseau neural. Mais on l'a même pas encore testé. Il reste des choses à éclaircir et... Tout marche à merveille. Tiens, regarde ça. C'est impressionnant. Ok, clairement ça sent pas bien bon. Ah, mais il y a une petite erreur. Ah, très bien. Pic de voltage, ça se corrige facilement. Ok. Alors, pic de voltage, ça se corrige facilement. Qu'est-ce que je peux mettre ici? Moins 2, ça me paraît pas mal. Ok. Ah, d'accord. C'est déjà... Ok. Ouais, je fais genre le mec qui réfléchit. Très bien. On va voir si voilà. Ça marche. Aucun souci. D'accord. Non, oui. C'est pire que ce que je croyais. Putain, mais il y a des couilles partout dans son cerveau à celui-ci encore. Très bien. Non, c'est ridicule là, c'est ridicule. On s'en fout là de... Ça de façon vaut mieux pas le... Ah putain, si, d'accord, il y a des... Ah oui. Non, on s'en fout pas du tout en fait. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai peut-être ma petite idée, les amis. On va mettre ceci. Comme ça. On va dévier, prendre une backdoor. Voilà. Impeccable. Ah, très compliqué cette petite histoire. J'ai une idée. Ok. Là, on est bon.
Et là, on est bon. Maintenant... D'accord. Il me manque une de tension. Hop, on est parfait. Allez. J'ai cru que ça allait stabiliser. Encore ! Ah, le pic fait une cascade. Je sais pas si je peux arranger ça. Oh, c'est une belle cascade, là. Hein. Moi, je m'y connais bien en cascade, et là, on est sur une très très belle cascade. Ok. Non. On va mettre celui-ci. Il nous posera pas de problème plus tard. On va mettre celui-ci, celui-ci et celui-ci. On est pas mal du tout. Et là, qu'est-ce qu'on peut mettre? Moins 1, tout simplement. Hop, appelez-moi le boss. Non, pas du tout. J'ai menti, c'était un prank. Préparez-vous à m'appeler le boss, par contre, parce que ça va se faire très vite. Ok, j'ai encore menti. Désolé, je mens beaucoup en ce moment. Ok. D'accord, j'ai compris. Encore une backdoor à prendre. Très bien. Très très bien. Si je mets ça là, ça marche? Yes, ça marche totalement. Ok. Hop, aucun problème. Hein. Aucun problème. Suffit juste d'analyser évidemment. Après, c'est vrai que j'ai des capacités assez exceptionnelles et il n'y a plus rien qui passe. Pourquoi? Et ben pour ça. Ok, il manque une de tension. Donc voilà. Ouais, je suis assez extraordinaire. Oh putain, ça commence à devenir chiant par contre. Faites un petit effort, s'il vous plaît. Ah! Oh, il va en prendre plein la gueule. Hein. Il va en prendre plein la gueule. C'est pas bon. Docteur? Docteur, j'ai trouvé un problème potentiel. Il y a toujours des problèmes quand on cherche bien. Mais la chance sourit toujours aux plus audacieux. Il est temps d'annoncer la nouvelle au monde entier. Otto, le réseau neuronal n'isole pas vos neurones moteurs. Il pourrait affecter d'autres parties de votre cerveau. Vos inhibitions, votre humeur... Je pense qu'il faut faire d'autres tests. On a fait assez de tests! Pour la première fois de ma vie, je ne me sens pas minable. Je me sens moi-même. Otto, vous n'êtes pas minable. Mais les risques pour votre esprit sont importants. S'il vous plaît. D'accord. D'accord. Ne vous en faites pas. On y est presque. Je vais continuer. Éliminez les bugs. Allez. Pars. Vous êtes sûr que ça va? Oui. Merci, Peter. Merci. Pour tout. Nous sommes en direct de la gare de Grande Centrale où le maire Osborne s'apprête à faire une déclaration à la presse. Martin Lee est derrière les barreaux à présent. Quand je fais une promesse à cette ville, je la tiens. Les habitants de New York vont bientôt devoir faire un choix qui pourrait bien définitivement changer leur vie. Au moment de glisser votre vote dans l'urne, souvenez-vous de mes actes. La ville est aujourd'hui plus sûre qu'elle ne l'a jamais été. Menteur ! Tu n'imagines même pas ce qui t'attend. Aïe, 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 aïe. Il devient fou. Il devient fou, énervé pour rien, susceptible. Ça risque d'être bien compliqué. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure sur Spider-Man. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Bisous, portez-vous bien. Ciao, ciao. Prendre des nouvelles de Miles. David. Salut Miles. Je voulais savoir comment ça allait par rapport à Martin Lee. Écoute,
t'as plus envie de bosser là-bas, moi et Tante May, on comprendra. J'ai failli me barrer quand j'ai appris la nouvelle. Et puis, je me suis rappelé ce que mon père disait. Un héros, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas. C'est vrai. Du moins, si, mène le bon combat. C'est moi qui t'ai trouvé ce boulot. Ça me ferait de la peine que tu continues si ça te convient pas. Les gens ici, ils sont pas responsables de ce qu'a fait Martin Lee. Ils ont besoin d'aide, et moi je les aide. Je crois que mon père m'aurait dit de rester. Je crois qu'il serait fier. Il le serait sûrement. Et Miles, moi aussi je suis fier de toi. Si tu veux parler, n'hésite pas. Appelle. Merci, Pete. Je dois y aller. Tante May m'a filé une liste de fournitures à acheter. À plus.